Ndoumbia s'est rendu au centre de consultation et de traitement odonto-stomato. Il a entendu parler des consultations gratuites organisées par ce centre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Je suis en train de suivre le journal télévisé et j'ai vu une documentaire sur la santé sociale. Là, j'ai dit des choses parce que j'ai perdu le temps depuis des années. Et nous, nous avons la santé beaucoup dans le pays. Je suis très content du système ivoirien qui met ça en marche. L'hygiène bucco-dentaire consiste à maintenir les dents en bonne santé dans la bouche. Plusieurs actions contribuent à cette hygiène. Ce sont les techniques de brossage, le changement régulier de la brosse à dents, ainsi que les consultations régulières dans un centre spécialisé. La santé bucco-dentaire est presque méconnue du grand public. Bon nombre de personnes ne savent pas qu'il y a un spécialiste de la santé bucco-dentaire qui existe, qui est un chirurgien dentiste. Donc ce genre de journée, c'est vraiment la bienvenue. Ça nous permet d'aller à la rencontre de la population et aussi à la population de venir vers nous, pouvoir communiquer, pouvoir parler de ça pour que la population, s'il vous plaît, ne soit pas analphabète odontologique. Au cours de cette activité, les patients ont bénéficié de bons de réduction allant jusqu'à 50%, de visites de stands ainsi que de conseils pour une meilleure hygiène dentaire.